C'est bon maman ? Ah, bonjour à tous, c'est Karine, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette 7e vidéo. Qu'est-ce que tu fais ? Tu continues pas ? Ben, je prépare ma vidéo. Pourquoi ? Ben, parce qu'aujourd'hui, je vais fluidifier un mignon. Un mignon ? Ouais, regarde, comment autour de moi. T'as préparé ? Ben, du coup, je vais faire un fluid art parce que vous avez été très nombreux à me demander une partie 3. Et, oui. Et j'ai eu l'idée donc de prendre les couleurs du mignon, c'est-à-dire bleu, jaune, blanc. Et noir. Un petit peu de noir. Et de faire un mignon fluide. Fluide. Mais ouais. Comme les mignons, ils mangent des bananes. Je vais faire de la peinture avec des bananes. Mais seulement, j'ai pas fini. Regarde, il m'en manque, Gabin. Donc je finis de manger ma banane et on se retrouve tout de suite. Ok, que je te laisse. C'est beau, hein? T'as besoin que je la mange, l'autre banane? Non. Je la veux bien. Non. C'était pas pour la vidéo, c'est vraiment vrai, hein. Je la veux bien. Bon, alors il n'y a que moi qui mets un gros sweat comme ça alors qu'il fait 30 degrés. Hein. Mais c'est parce que c'est le seul vêtement jaune que j'ai trouvé. Et comme je voulais être accordée à ma vidéo, eh ben voilà. Je crois que j'ai l'air très chaud. C'est bon, hein? Elle est bonne, la banane. Alors, quand même, je vais pas vous laisser patienter aussi longtemps. Donc, je vais commencer. Ça fait 2 minutes que je tourne. C'est pas grave. Je vais commencer alors par disposer mes pots de banane, Gabin, sur la toile. Exactement. Est-ce que tu vois ma toile? Hop. Je vais filmer comme il faut. Ça va être stylé, hein? Ou pas? Voilà, donc là, tu es en train de positionner tes pots de banane. Exactement. Voilà, donc les amis, voilà, j'assiste encore un moment durant ces vidéos fluid art. Ouais, faut que je me dépêche. Je pense la laisser autonome durant les prochaines vidéos. Non. Non, parce que tu me vois plus là. Non, parce que j'ai besoin de toi pour cadrer. Exactement, donc je serai... Là, surtout ce genre de vidéo, après les autres vidéos... Tu peux te cadrer toute seule. Hein. Exactement. Voilà, donc j'en profite aussi pour vous remercier parce que vous m'avez laissé plus de 300 commentaires sur ma dernière vidéo. Alors, il y a beaucoup de messages qui s'adressent à Gabin et Lily. Je leur ai fait part de vos messages. Je suis très contente et merci beaucoup pour tous ces commentaires, tous ces beaux commentaires. Ça me fait vraiment plaisir, surtout au démarrage de cette chaîne. Qu'est-ce qui t'arrive, Gabin ? Bah rien, je fais où ? T'as un problème avec ta banane ? Mais non, hein. Donc voilà, vous pouvez aussi en profiter pour mettre un pouce bleu, vous abonner, qui va être les notifications, toutes les notifications. Tout ce qu'il faut faire. Voilà. Tu les veux ? Ouais, je veux bien. Ouais. Tiens. La caméra. Alors voilà, j'ai ma troisième pot de banane. Gabin, tu t'es prêt? Tu cadres? Ah mais là, il y a toi dans le cadre, il y a les pots de banane, on les voit très bien. J'ai même pas besoin de faire un zoom pour l'instant. Alors regarde, c'est stylé déjà, rien que comme là, ça, non? Là, c'est très stylé. Voilà, c'est magnifique. J'invente, hein, j'innove. Je teste. J'ai un peu peur du résultat. Hop, donc... T'as par du public. Oh, salut Lily. Il y a Lily qui me regarde de la fenêtre de la salle de bain. Ah, elle me dit génial, j'ai cru qu'elle se moquait de moi. Mais non, en fait, ça va. Alors, par quelle couleur je commence, Gabin? La salopette. Mais non. Le mignon. Le mignon. Le mignon tout nu, alors. Voilà, le mignon. Le mignon. Il y a du vent, je vais en avoir partout. Comment je fais? Je tourne autour des pots de banane. Je verse comme ça, là? Ouais, c'est ton concept de ta vidéo, hein. Moi, je suis purement caméraman, hein. Je ne suis point... Regarde, il y a une petite bête. C'est dans ta tête, la bête, hein. Si, il y avait une petite bête, Gabin, je t'assure. Je vais pas mettre du jaune sur tous au début. Bah, c'est comme tu veux. Bah oui, bien sûr, c'est ma vidéo. Waouh, regarde ce bleu métallisé. C'est ce que j'allais dire, ce bleu est magnifique. Ouais, trop beau. Sur le dernier fluid art de Gabin et Lily, je suis un petit peu triste parce qu'en fait, on a tourné très tôt le matin pour être à l'ombre. Parce qu'on savait qu'il allait faire chaud. Mais finalement, du coup, les couleurs sont pas belles au début de la vidéo. Je ne voulais pas un rendu comme ça, mais bon. Allez, je continue. Un peu de blanc. Alors, le blanc, en fait, c'est parce qu'il faut du blanc sur tous les fluid art. C'est pas les mignons, le blanc. Voilà, il y a les yeux. Le blanc, ça permet de faire des dégradés de couleurs, en fait. Voilà, exactement. Que, par exemple, le jaune soit un peu plus clair. Mais je vais m'en mettre plein les mains, hein, Gabin. D'une, tu vas t'en mettre plein les mains. Et de deux, après... Là, il faut vraiment mettre la masse de peinture, il faut mettre la masse de couches pour que ça puisse être un truc stylé. Ouais, alors vos peintures d'hier sont presque sèches. Elles étaient vraiment belles, hein. Ah non, bah oui, parce que du coup, on a tourné la vidéo hier. Ouais, vos fluides d'art. Waouh. Ce bleu, il est magnifique, vraiment. Donc, bah, toutes ces peintures, vous pouvez les retrouver sur Cléopâtre. Hein. C'est toujours les peintures Cléopâtre qu'on utilise. Sauf que là, on les utilise pour le but...
qu'a généralement des peintures. Un but créatif. Voilà. C'est ça, artistique. Généralement, on les utilise pour faire des slimes. Et là, ce coup-là, c'est vraiment artistique. Un but pur, pur artistique. Ouais. C'est même pas ce que j'ai dit, mais c'est... C'est très bien. Voilà. Et notre terrasse, elle va être encore plus jolie aujourd'hui, du coup, Gabin. Ouais. Là, tu te rends compte, en 2 minutes, j'ai mangé déjà plus de fruits que pendant tout le confinement. Gabin, il est en train de manger toutes les bananes pendant que je fais la préparation de mon fluid art. Oh, mais ça aggrave du flow. Ça aggrave du flow. Regardez, les amis, comme on ça dirait rend des super fleurs. Bien à la caméra. On dirait des fleurs. Mmh, à la caméra, ça rend de ouf, hein, mais c'est vraiment super. C'est vrai. Beau. C'est vraiment magnifique. Fais un gros plan, là, de temps en temps, qu'on voit un petit peu. Là, j'en ai fait un gros plan. Ah ouais. Premier gros plan de la vidéo où il y avait la peinture. C'est beau. Voilà, mais le problème de ces vidéos flux d'art, c'est que voilà, ça nécessite pas mal de cadres. Donc voilà, hein, quand t'as un cadreur peu expérimenté. Le jaune aussi, hein, il est beau. Il est un petit peu métallique, un peu pailleté. Il est vraiment très beau. Tu crois que ça... J'aurais peut-être dû mettre une quatrième peau de banane, là. T'en as, là. Hein. Tiens, bah donne-moi une. Mais il faut les épuiser. Ouais. Voilà. J'ai encore pas de peinture partout. Mais ça... Oh mince, regarde. Tiens, tant pis. Et comment tu vas faire? Tu vas faire tourner avec les peaux de banane ou sans les peaux J'en de banane? J'en sais rien. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, regarde, je rajoute... Oh, j'ai plus de jaune. Ah, mais si, j'en ai encore à côté. Mais t'en as pas assez du tout de la peinture encore, maman. Si, tu vas voir. Tu vas voir, ça va bien se passer, Gabin. T'en fais un tout petit peu. Ça va bien se passer. Là, c'est très très beau, c'est très très beau. Je fais un cadre. Je vais faire un côté un peu obscur. Oh là là, le côté un peu obscur. Mais qui va se mélanger avec le blanc. Ouais, mais ça va faire un mignon un peu méchant. Ouais. Tu me vois plus, là, Gabin, je suis Non, sûre. Tu me vois plus, mais ça fait 3 secondes que je suis cadré sur son... Ah d'accord, ok. Ah, mais t'inquiète pas, sinon je suis cadré sur toi. Hein. Bon, mais parfait. C'est juste que là, j'ai dit, ah, c'est trop beau, je vais cadrer sur ta construction. T'as pas trop chaud peinture. Ah non, moi, je suis parfait, moi. T'es parfait? Ouais. Bon, et ben, attends, je vais rajouter un petit peu de jaune, quand même. Qu'est-ce qu'il fait? Bah je t'en enlève les peintures. Mais, ah, pour que je commence à... Ah oui, je te prépare le... Ouh là 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 là. Ce qu'on Attends, faire... tu peux me donner un peu de blanc, s'il te plaît? Ouais. Ce qu'on pourra faire, c'est faire une vidéo où on présente sur ta chaîne et sur la chaîne de Gabin et Lily toutes les peintures qu'on a fait. En flux d'art? Parce qu'il y en a que... Ah, mais quand on fera une galerie. On va faire une galerie. Hein. Non, musée, moi. Je veux pas dans une galerie, moi. Je veux dans un musée, moi. La Joconde, c'est ridicule à côté de ça, regarde. Regarde, là. Leonardo Vinci, mais il est perdu. Il est perdu. Mais oui. Bon, regarde, je vais finir les pots comme ça. Oh. C'est oh. là que ça commence à. Ça fait rien du tout, mais. Si. Oh, si aussi, là, c'est beau. Oula, je commence à en avoir un peu sur moi. Waouh, wow, regarde. Est-ce que tu vois bien? Oh, mais là, c'est parfait, c'est magnifique. Je fais comme Lily hier, tu sais, elle finissait autour. Ouais, et ça a rendu vraiment super bien, Lily. Donc. Bon, alors là, c'est fini. Touche de bleu, de noir. Oh non, mais c'est très beau, Gabin, il faut que tu fasses un gros plan. Mais j'en ai fait, il y a des gros plans, t'inquiète pas, je suis pas caméraman pour pas la nada. Hein. Viens faire une photo alors avec ton téléphone. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est artistique, hein. Voilà. Ou pas. Ça se trouve, les grands artistes disent, mais c'est n'importe quoi ce qu'ils font. Non, mais moi, je suis contente, hein, vraiment. Je vais la laisser comme ça, je vais laisser sécher avec les bananes. Et ben voilà. Là, je tourne délicatement. Je me suis mise pieds nus pour ne pas salir mes chaussures. Est-ce que je tourne avec les bananes ou est-ce que je lève les pots de banane avant? Lève les pots de banane sinon ça tournera pas. Ouais. Alors, attention. Ça crache du flow. Regarde. Ah mais c'est génial. J'adore. C'est super beau. Regarde. Ça fait des couleurs juste magnifiques, Gabin. Fais pas trop ça mélange tout, maman. D'accord, ok. Waouh. Qu'est-ce que t'en penses? C'est très bien, c'est très compliqué à cadrer parce que du coup t'es à moitié dans le cadre. Ah bah oui, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. On fera aussi un terrasse tour parce que la terrasse est très sale. Regarde mon pot de banane. Oui, ton sac de banane. Et attention, je pousse ça. Et attention les amis, le cadre. Voilà, alors, est-ce que je tourne très vite d'un coup ou pas très vite? Ah mais tu tournes très vite comme je fais... Attention comme... à ton pantalon, hein. Mais mon pantalon, je sais qu'il est là, il va partir au lavage. Vous êtes prêts? Je sais pas comment faire. Attends, attends, il y a Lily qui regarde aussi. 1, 2, 3. Oh, c'est trop beau.
Waouh! Est-ce que je retourne un coup, Lily? Non. Non, vraiment, laisse comme ça. Je vais vous montrer vraiment. Bah là, vous voyez très bien la caméra. Déjà, ça fait des couleurs de ouf. J'ai même pas besoin de recadrer. Et donc, voilà à quoi ressemble un mignon fluidifié. Qu'est-ce que t'en penses, Gab? C'est super beau. Qu'est-ce que t'en penses, Lily? C'est super beau. Regarde, on reconnaît bien le mignon, là, avec sa salopette. Voilà, oui. Regarde, tu vois, Gabin, le mignon est... Vraiment, qu'on a pris un mignon, on l'a écrasé, on l'a mis en bouillie, puis après, hop, on l'a tout... Non, mais c'est très beau, c'est très artistique, c'est très sympa, cette toile. Maman vous mettra des petites vraiment photos magnifique à l'écran. Plus on avance et plus on fait des jolis fluides d'art. Hein. Je ne pense pas, moi, refaire de fluides d'art sur ma chaîne, à moins vraiment que vous me le demandiez. Mais en marche, je pourrais faire un Spider-Man fluidifié. Bleu, rouge, noir. Ça peut le faire. Bon, dites-moi, en fait, si vous avez une idée d'un personnage que je pourrais fluidifier, ça pourrait être sympa. Donc, s'il y a des galeries d'art qui voudraient bien exposer nos œuvres, bah, n'hésitez pas à nous contacter. Hein, voilà, on reste disponible. Sur la prochaine vidéo de Gabin et Lily, il va y avoir un fluid art encore, mais là, on va faire les choses... comment on peut dire, Gabin? En grandeur, hyper grand. Ouais, on va faire un truc de dingue. Oui, oui, dans notre atelier terrasse. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Webpop, prenez soin de vous. Gros bisous, salut. Salut.